Belgacom neemt je mee. Dertig titels, dat wordt uiteraard gevierd op Anderlecht. Traditioneel organiseert Sporting elk jaar een receptie voor de anciens. Een belangrijk treffen voor de ex-spelers, die mooie bladzijden schreven in de geschiedenis van RSCA. C'est une réunion qui se fait annuellement, comme je suis président des anciens joueurs. Alors tous les ans, il y a un banquet qui est offert. Een prima moment ook om herinneringen op te halen en bij te praten over de goede oude tijd. Minstens één keer, zelf twee keer per jaar, is er zulke bijeenkomst die ons toelaat om nog eens tezamen de oude ratten uit het slop te halen. Ça nous permet aussi, avec les années qui passent, de rester soudés à l'intérieur d'un grand club. Donc c'est important, je pense. Non, j'aime pas tellement les grandes fêtes comme ça. Donc, disons, tous les 100 ans, je suis venu, aujourd'hui je viens. Donc, et on verra après. C'est-à-dire, bon, que ce soit la Coupe d'Europe ou autre, c'est toujours avec plaisir qu'on se rencontre. Mais il y a surtout un événement qu'on essaye de ne jamais rater, c'est le dîner des anciens. Leuk was ook dat de spelers die deel uitmaken van de huidige A-kern en alle personeelsleden van de partij waren. Een ideale gelegenheid dus om alle betrokkenen in de bloemen te zetten en te bedanken voor het geleverde werk. C'est vrai que quand on a une saison aussi longue et aussi intense, y a indéniablement un moment de dépression. Sporting Anderlecht heeft opnieuw haar kampioenen op passende wijze gevierd. Kampioenen van alle leeftijden en van alle tijden. Alle jaren is er wel een vergadering hier met de oude spelers, zoals vandaag. Maar vandaag zijn er de vrouwen bij. Is een heel groot feest. En andere jaren is gewoon de voetballers. En dan zie ik jongens met wie ik gevoetbald heb. Quand on voit la vie évoluer aujourd'hui, on se rend compte que notre groupe, nous sommes encore tous mariés avec les mêmes femmes. Ce qui est extraordinaire finalement.